Yo les gens, salut à tous, salam alaikum à tous mes frères et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc vidéo les gars où je voulais tout simplement vous annoncer une mauvaise nouvelle. Pour d'autres ça fera plaisir, pour d'autres pas. Et j'en suis vraiment désolé pour les gens à qui ça fera pas plaisir et puis voilà. Donc j'ai décidé d'arrêter de mes vidéos, on va se retrouver l'année prochaine, Inch'Allah. Ah non, j'ai décidé de prendre du recul, c'est trop pour moi. Voilà, les lives, les Twitch, YouTube, etc. Gros lard, serre là, baise là. Ça fait trop pour un seul homme et j'ai décidé de prendre du recul sur tout ça et de vous dire l'année prochaine. Donc il dit l'année prochaine, dit 2020, d'accord. Donc 2020 c'est dans un an, c'est dans longtemps, tu vois. Et voilà, je voulais aussi vous dire que 2019 vous m'avez beaucoup rapporté en termes de soutien. Vous avez toujours été à mes côtés, je suis vraiment super content en sachant que moi je suis un youtubeur qui date de 2011, c'est-à-dire ancienne génération. Et depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, 2019 et bientôt 2020, Inch'Allah, disons que je suis toujours d'actualité et ça, c'est grâce à vous. Je vous remercierai jamais assez, grâce à vous, j'ai pu en 2019, j'ai fait des déménagements, j'ai habité dans le 8e, j'ai habité dans le 14e, aujourd'hui j'habite devant la tour Eiffel. Et c'est des rêves de gosse, tu vois, c'est des rêves de gosse qui se réalisent aujourd'hui. Et j'espère petit à petit encore graver les échelons, j'espère que je serai toujours d'actualité. J'espère sincèrement que vous ne m'oublierez pas aussi. Et puis voilà, je vous remercierai jamais assez. Même si des fois entre vous et moi il y a des petites tensions dans l'air sur les lives, etc., sur GTRP, etc. Même si c'est des petites tensions en l'air. Aujourd'hui, vous m'avez rendu là où je suis aujourd'hui. Et sans même vous rendre compte, aujourd'hui, vous m'avez rendu l'homme que je suis aujourd'hui. Avec le recul, avec les insultes que j'ai reçues en pleine face, etc., les moqueries, etc., j'ai su prendre sur moi. Et c'est ce qui m'a permis de me forger une forte carapace. Et c'est ce qui me permet aujourd'hui d'être. Voilà, je m'en fous. Dès que quelqu'un me dit quelque chose, bah, je dis c'est pas grave. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et ça, c'est grâce à vous. Et s'il n'y aurait pas vous, si vous et moi, on ne serait pas croisés dans ce chemin de cette aventure YouTube et Twitch, je ne pense pas que je serais l'homme d'aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je ne pense pas que je serais aussi fort mentalement, etc. Je pense pas que j'aurais cette force-là. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et je tenais vraiment à vous remercier. 2019 m'a beaucoup souri. J'ai pris soin des miens comme je le pouvais. Et aussi Kenny, qui est toujours avec moi. Et qui, j'espère, pour 2020, lui aussi, prendra son envol. J'espère pour lui aussi, il trouvera une porte de sortie. Parce que ça fait quand même 3 ans. Et moi aussi, je suis arrivé aussi à un âge, et il faut le comprendre. Je suis arrivé aussi à un âge où j'ai besoin aussi de me construire. J'ai quand même 32 ans, je monte sur mes 33. Et je ne peux pas toute ma vie m'occuper des gens, que ce soit Kenny ou tant d'autres. Je pense que j'ai déjà assez donné aux gens. Et j'attends rien de retour. Tout ce que je veux, c'est qu'ils s'en sortent. Moi, mon envol, je l'ai déjà. Moi, je ne veux qu'on me donne rien. J'ai déjà mon appartement. J'ai déjà ma liberté. J'ai déjà mon indépendance. Mais ce que je souhaite pour les autres et aussi pour Kenny, etc., c'est vraiment pour qu'ils s'en sortent. Et qu'ils se sortent le doigt du cul et qu'ils pensent vraiment à son avenir. Et puis voilà. En tout cas, pour vous, je vous souhaite vraiment plein de bonnes choses pour cette année 2020. J'espère qu'elle vous sourira en termes de santé, en termes de réussite, en termes d'amour, etc. Et puis voilà, je tenais vraiment à vous dire ce petit message qui me fait plaisir, qui me fait chaud au cœur. Et puis voilà, mon année 2020, je la passerai aussi toujours à Paris. Je me passerai jamais de Paris, j'aime beaucoup Paris. Paris à tout jamais dans mon cœur. Et puis voilà, j'avais l'occasion d'aller dans d'autres pays ou même dans d'autres villes, mais je préfère la capitale. Et puis voilà, malgré ce qu'on dit sur elle, les grèves, etc., la pollution, etc., moi personnellement je m'y plais et c'est le plus important. Quoi d'autre? Bah c'est tout, c'est tout, c'est tout ce que je voulais vous dire. J'ai passé le nouvel an chez l'IGL, je le remercie infiniment. Je remercie JL Tommy, je remercie aussi toute sa bande, je remercie tout le monde, je remercie toutes les personnes qui m'ont porté du soutien, qui m'ont fait du bien. Et je m'excuse aussi aux personnes que j'ai pu blesser, à qui j'ai pu faire du mal. Je m'excuse sur plein de choses. Et puis voilà. Bah écoutez, c'était tout. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Et en espérant que 2020 soit aussi riche que l'année 2019. Je vous fais plein de boussa. Vous me manquez, vous n'oubliez pas, vous êtes mes gros bébés. Et vous serez toujours mes bébés. Mes bébés à moi. Et boussa boussa.